Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'Université Kofi Annan de Guinée au département cours de cette université. Pour participer à nos cours sur nkopourtous-kofi.org. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir la semi-voyelle nko qui n'est ni voyelle ni consonne, comme la lettre Y en français. En effet, nous allons procéder aussi à la manipulation de la lettre E. La lettre E qui est devant vous peut être fendue horizontalement ou verticalement pour avoir les fragments suivants. 2, 3, 4. Ainsi, la lettre A combinée à ces fragments de E nous permet d'obtenir les autres lettres de l'alphabet nko. Alors, la formation de la septième voyelle N, c'est-à-dire le N apostrophe en français. Comme si je vais écrire Nzere Kori. Au tableau, observez bien un premier fragment de E, un fragment de A, un deuxième fragment de A et un troisième fragment de A. Cette lettre que vous avez devant vous s'appelle N, tel que Na en manikakan qui veut dire ma mère. Nga, en sosokui, qui veut dire aussi ma mère. Mbewa, en poulard, qui veut dire la chèvre. La septième voyelle et la semi-consonne, les sept voyelles et la semi-consonne seront révisées ici encore pour consolider nos acquis. Voyons ensemble. A, E, I, E, U, O, O, N. Nous avons A, E, I, E, O, 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 N. Nous pouvons écrire A, E, I, E, O, 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 N. Kofi Annan de Guinée vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Dans vos blocs-notes, en guise de prise de notes, l'Université Kofi Annan de Guinée vous remercie pour votre aimable attention et nous vous invitons à rester en contact avec nous. Vous serez bientôt formés en cours.